Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Pour les psaumes, nous répondrons, « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Pour qui garde ton alliance? » Seigneur, enseigne-moi tes voies.
fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seconde lecture. Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas les souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, assis auprès, après s'en être allé au ciel, lui qui a à qui sont soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé aussitôt. L'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il reste 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les hommes le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu et il disait, les chances, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus est conduit au désert par l'Esprit au lendemain de son baptême. Au moment de grâce, aussitôt suivi de moment d'épreuve. La veille, Dieu l'a reconnu comme son Fils. Au milieu d'une foule de croyants, le lendemain, il est abandonné seul au désert. La veille, l'eau abondait, le lendemain, c'est la sécheresse. La veille, Dieu lui parlait, le lendemain, c'est le silence du désert. Le dimanche dernier, il sera réclamé par la foule, la même foule qui le vendredi saint le verra crucifié. Dans nos vies d'aujourd'hui, il y a des jours comme ceux-là. La veille, la mère a donné naissance à son premier enfant, et le lendemain, elle apprend qu'il souffre d'une malformation congénitale. La veille, ils ont signé un traité de paix. Le lendemain, ils complotent déjà l'un contre l'autre. La veille, il était votre ami, le lendemain, il vous joue dans le dos. La vie est faite de ces moments de contraste où tout nous arrive du meilleur au pire. C'est dans ces moments-là que nous sommes tentés de douter de Dieu. Or, cet évangile se veut le rappel d'une donnée fondamentale de notre foi. Dieu est toujours avec nous, dans l'abondance de la ville et dans la pauvreté du désert. Dieu est toujours là avec nous, à chaque moment de notre existence, comme le dit la formule d'engagement du mariage, au jour de bonheur, comme au jour difficile. Comme Jésus l'a dit aux disciples au lendemain de sa résurrection, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. Or, c'est à nous aujourd'hui que s'adresse la parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde-nous, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Relève ton visage, Seigneur, aux Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, sur ce que tu Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer dans le cœur pur le mystère pascal et pardonner enfin
à la vie éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta voix et sans fin proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient pour nous, Seigneur, hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne fais de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, lumière née de la lumière, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré et il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de la boîte, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul esprit et un seul corps dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse. Avec les apôtres, les martyrs Saint-Joseph et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qu'il nous a, qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, et particulièrement ce matin pour Agnès Saint-Onge Carrière, Achille le Duc, Patrice Latreille, Gervais Dionne, et dans la reste par notre Vaillancourt, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être fondés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Ensemble, ce n'est pas seulement de pain que l'on doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs et nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir soin du Christ, le seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen.